Bien, bonsoir, bienvenue à cette séance du conseil municipal de Châteauguay, la première de ce nouveau conseil. Merci d'être avec nous, de nous accompagner dans cette soirée importante. Et je vous invite, dans un premier temps, à prendre un instant, faire en sorte que les décisions qui seront prises ici ce soir le soient dans le meilleur intérêt de l'ensemble de notre collectivité. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Deschamps. Secondé par Gendron. Monsieur Gendron. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2013. Doyle. Monsieur Doyle. Appuyé par Monsieur Côté. Monsieur Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 20 septembre au 8 novembre 2013. Deschamps. Monsieur Deschamps. Gendron. Monsieur Gendron. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, comme greffier de la ville, je dépose des serments d'office des membres du conseil qui ont été élus le 3 novembre dernier. Alors, les documents ont été déposés. Alors, approbation du procès-verbal de la commission qui s'est tenue le 11 novembre 2013. Monsieur Côté. Monsieur Côté, secondé par Monsieur Français. Madame Reed, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, une convention entre la ville de Châteauguay et Patterson Outdoor Advertising, LP, pour une période de 10 ans pour des structures promotionnelles sur le territoire de la ville de Châteauguay. Deschamps. Monsieur Deschamps. Doyle. Demandé par M. Doyle, si c'est adopté. C'est adopté. Une modification à la résolution numéro 2004-529 pour la nomination d'un officier responsable à l'application du règlement G1071 afin de changer le nom de Pierre Daou par celui de Sylvain Leblanc et Danny Brassard. Gendron. M. Gendron. Appuyé par M. Côté. M. Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Un engagement auprès d'Hydro-Québec en vue de l'enfouissement des fils de la traverse aérienne de la rivière Châteauguay sous le pont Arthur-Laberge. Gloutenay. Monsieur Gloutenay. Pinard. Secondé par Monsieur Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Une convention de confirmation et d'amendement de bail avec Belle Mobilité au 314 rue Pierre-Boursier. Pour une durée de 5 ans, établissant un loyer à 12 000 la première année, 12 360 la deuxième année, 12 730 la troisième, 13 110 la quatrième année et 13 500 la cinquième année. Pardon. Deschamps. Monsieur Deschamps. Non. Monsieur Pinard, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Une convention de confirmation et d'amendement de bail avec Belle Mobilité pour le 25 de la rue Higgins. Alors, il s'agit d'un contrat de 5 ans, 12 000 première année, 12 360 la deuxième, 12 730 la troisième, 13 100 quatrième et 13 500 pour la cinquième année. Doyle. Monsieur Doyle. Appuyé par Madame Laberge. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Approbation des tarifs pour les usagers du service de transport adapté pour l'année 2014. Deschamps. Monsieur Deschamps. Monsieur Côté.
Monsieur Côté, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, tarification des assurances des élus municipaux. Monsieur Gloutenay. Non. Secondé par Monsieur Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, adoption d'une politique vestimentaire révisée, c'est pour le service de police de la ville de Châteauguay. Gendron. Monsieur Gendron. Monsieur Doyle. Et Monsieur Doyle. Merci. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Nomination du fonctionnaire désigné et de son substitut pour l'application du règlement de contrôle intérimaire, RCI, régional numéro 173, visant à contrôler les activités dans les bois de Châteauguay-Léry. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Appuyé par. Gendron. J'ai noté Monsieur Gendron. Alors, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Mandat à la firme Hydro-Météo pour la surveillance et prévision des curues sur la rivière Châteauguay du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014. Ceci pour un montant de 22 707,56 $. Alors, j'ai Mme Laberge, j'ai M. Gloutenay. Dans cet ordre, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, un mandat aussi à la firme Hydro-Météo pour les prévisions météorologiques journalières du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014 pour un montant de 5 748,75 $. Marie-France. Madame Rive. Monsieur Côté. Secondé par M. Côté. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, Madame la mairesse, nous sommes à la première période de questions de journée. Si les gens ont des questions, je vous inviterai à vous présenter au micro, à décliner votre identité et à poser vos questions. S'il n'y a pas de questions, il y aura une seconde période de questions à la fin de la séance. Alors, un avis de motion, règlement général décrétant l'imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année financière 2014. J'ai besoin d'un conseiller qui présente l'avis de motion. Deschamps. Monsieur Deschamps, merci. Un autre avis de motion pour le règlement général concernant la refonte du règlement numéro G1791 portant sur le contrôle et le suivi budgétaire. Gendron. Monsieur Gendron, merci. Un autre avis de motion, un règlement d'emprunt décrétant la construction d'une conduite d'aqueduc sur la rue Lefebvre et le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Gendron. Monsieur Pinard, merci. Alors, on est à l'adoption du règlement concernant la délégation au greffier de la Ville du pouvoir de traiter les demandes émanant de la régie des alcools, des courses et des jeux relativement à l'émission des permis d'alcool aux établissements situés sur le territoire de la Ville de Châteauguay. Monsieur Gloutenay. Secondé par? Doyle. Monsieur Doyle. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, contrat et soumission. Rejet des soumissions pour la fourniture d'une fourgonnette par le commissionnaire, pour le commissionnaire, qui était la demande de soumission SI 1328. Alors, c'est un rejet des soumissions reçues. Monsieur Côté. Monsieur Gendron et Monsieur Côté. Si, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Un mandat à l'addition des approvisionnements pour un appel d'offres pour des fournitures d'un inhibiteur de corrosion et suivi du réseau d'eau potable. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Non. Appuyé par M. Pinard, merci. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Un mandat à la division des approvisionnements, appel d'offres, pour des services professionnels en architecture pour la construction du futur réservoir d'eau potable pour la ville de Châteauguay. Laberge. Madame Laberge. Secondé par. M. Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, la vente publique de vélos de divers articles de la ville de Châteauguay pour un montant de 6 246,98 $. Doyle. Monsieur Doyle. Madame Rive. Madame Rive, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Excusez-moi, je vais juste me mettre ma tête. Alors, mouvement de personnel. Qui était dans la commission du 11 novembre 2013, en proposant, s'il vous plaît. Monsieur Doyle et Monsieur Côté, est-ce que c'est adopté? C'est adopté.
Alors, permanence de Mme Ivanette Nesevitch au poste de préposé au greffe à la division du greffe et contentieux. Gloutenay. M. Gloutenay. Appuyé par. Doyle. M. Doyle. Que c'est adopté? C'est adopté. La retraite de M. François Legris, préposé au PAC, terrain de jeu et espace vert, à la division des travaux publics. Gendron. M. Gendron. Secondé par M. Deschamps. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Une permanence de Mme Jessica Deslauriers Carosello au poste d'agent de bureau à la division des approvisionnements. Gendron. Alors, M. Pinard et M. Gendron, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Fin d'emploi administratif de l'employé matricule 2055 au service de police de la ville de Châteauguay. Madame Laberge, M. Deschamps, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Une suspension de l'employé matricule numéro 1409 au service de police. Madame Laberge. Pinard. M. Pinard, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Renouvellement du contrat de travail de l'adjointe exécutive à la mairie. Monsieur Gloutenay. Alors, M. Côté et M. Gloutenay, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, désignation du maire suppléant pour les mois de novembre et décembre 2013 et janvier 2014. Et février. Alors, on nomme M. Deschamps. Alors, M. Marcel Deschamps est proposé. Est-ce qu'un proposant un secondaire? Gendron. Alors, Gendron et Gloutenay. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Émission d'obligation pour le montant de 14 478 000 $ adjudication et délégation. Pinard. M. Pinard. Doyle. Appuyé par M. Doyle. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Un mandat pour le dépôt d'une demande de certificat d'autorisation, vertu de l'article 32, pour la construction d'un réservoir, le prolongement d'aqueduc et la suppression d'eau potable. Madame Laberge. Appuyé par. Monsieur Pinard. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, relativement aux organismes locaux et régionaux, c'est des contributions et adhésions. Alors, un montant de 10 005 $ qui serait donné à 8 organismes locaux et 900 $ à 3 organismes régionaux. Donc, vous avez la liste, messieurs les Deschamps. Monsieur Deschamps. Madame Reed. Madame Reed, est-ce que c'est adopté? C'est adopté. Alors, Madame la mairesse, nous sommes déjà à la seconde période de questions de la soirée. Si vous avez des questions, je vous invite à vous avancer au micro, à faire, décliner votre identité et à poser votre question. Monsieur l'évêque. Citoyen l'évêque, quartier numéro 2, en Ville-Gay, Madame la mairesse. C'est une remarque que je veux faire. C'est qu'on a eu des élections. D'habitude, avant de commencer, on félicite le travail des employés qui ont fait les élections. Ils ont fait vraiment un bon travail, puis j'aimerais bien que ce soit celui-ci. On va le souligner. Au conseil de ville. Je vais le souligner. Merci beaucoup. Alors, à la demande est justifiée de M. Claude Lévesque, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont travaillé à l'élection du 3 novembre dernier, ainsi que lors du bureau de vote anticipé du 27 octobre, et qui ont permis la tenue de ces élections et de l'expression de la vie démocratique à Châteauguay. Merci. Merci à tous. On peut en faire une résolution, Maître Tapp. M. Deschamps, secondé par. Unanimement. Adressé à Maître Tapp et à ses employés. À ses employés. Les élections. Merci beaucoup. On a leur nom. Bonjour. Pierre Dehaut, quartier numéro 7. Félicitations au nouveau membre du conseil. 100%. On va essayer d'être. Bref. La convention entre la ville de Châteauguay et Patterson, c'est combien par année ça nous rapporte? Ça nous rapporte 50. Pardon? 43 000, plus un échange avec nous, la possibilité de nous installer sur les panneaux qui sont en bordure de l'autoroute. OK.
pour annoncer nos... Parce que je remarque ça, c'est parce que Patterson, au coin, il y a du Tremblay, puis dans lui, autrefois, ça lui nuisait. Quand ils mettent de quoi là, dans la ville, on voit absolument... Ça a été, M. Daou, effectivement noté à deux, trois reprises. On en a tous parlé, notamment lors de la commission et avant. Alors, effectivement, on est en train de regarder, tout ça, on l'a pris en note, et on est en train de regarder, soit pour déplacer l'abribus, soit pour éviter que lorsqu'ils mettent l'affiche dans la fenêtre de côté et que ça bloque la vue, que ça soit plus fait, effectivement. En passant, il y a des affiches, ceux qui sont dans le chemin, j'entends trop ces photos. Juste un petit peu. Oui, c'est beau. Ensuite, vous avez donné de l'argent aux organismes. Vous avez la liste, nous autres, on ne sait pas avec qui on a ça. Mm-hmm. Avant de donner de l'argent aux organismes, on bénéficie-tu s'ils ont besoin réellement? Oui. Écoutez, c'est des demandes d'organismes communautaires. C'est aussi des demandes, c'est pas que des demandes c'est des demandes d'accréditation aussi. C'est-à-dire qu'on est membre de certains organismes régionaux à laquelle on doit payer des quotes-parts. Donc, c'est pas juste, c'est pas uniquement des demandes d'aide de la part d'organismes. C'est aussi les accréditations et les adhésions à certains organismes régionaux qui arrivent à dans ce budget-là. Donc, tu peux savoir c'est qui. Oui, je vais vous trouver ça tout de suite. Hein. Juste ma curiosité, moi je suis curieux. En fait, c'est J4. Il y a la Fondation Anna Laberge. Il y a. Puis on ne donne pas à tout le monde qui envoie des demandes, là. Donc, c'est la Fondation de la Berge, on envoie une coupe par année, une coupe qui s'en fait ce qui passe. Oui. Ils sont juste de même, là, peut-être qu'ils en font 3-4 demandes par année ou ils s'en font avec une? En fait, ils font. Il y a des événements qui sont commandités par la MRC. Il y a d'autres événements qui sont commandités localement par les municipalités. Il y en a d'autres où nous participons soit en permettant aussi, sans donner d'argent, en permettant la tenue de l'événement, en mettant nos employés à profit, là, l'école bleue, les policiers, etc. Donc, c'est la façon dont la Fondation Anna Laberge reçoit l'aide de la municipalité. Et j'espère que la Fondation Anna Laberge, lorsqu'elle redonne, elle redonne à la communauté également. Alors, on pense que c'est de l'argent bien placé. Continuer. Alors, c'est pour ça que je veux savoir la destination. Oui, en fait, parce que là, j'ai la liste des lettres, mais je n'ai pas celle à qui on a donné. J'avais demandé à M. Tapp, une autre assemblée précédente, qui mette la liste de ce les montants. C'est beau. Alors, on a une publicité dans le programme du Chœur en Fugue qui fait son concert de Noël. On a la soirée bénéfice d'Héritage Saint-Bernard. Le comité d'entraide populaire, l'alphabétisation sur le boulevard d'Anjou. Donc, on a aussi, bon, je l'ai dit, la Fondation Anna Laberge. Il y a Jim Fly qui organise une importante compétition de gymnastique au début décembre. Il y a 400 athlètes, des jeunes filles et des jeunes garçons de partout au Québec qui vont venir compétitionner au niveau provincial et même national ici à Châteauguay. Donc, on participe financièrement pour aider à l'organisation de cette compétition. Il y a la Fondation des ressources alternatives Salaberry, ça vient en aide aux gens, aux organismes de santé mentale, notamment à la SRSO. La rencontre châteaugoise pour leur souper spaghetti, qui s'est tenue le 15 novembre dernier. Et l'association communautaire Horizon de Châteauguay pour leur banquet annuel auquel nous participons au début décembre. Ce sont pour les associations qui sont locales. Pour ce qui est du provincial ou du régional, le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, notre quote-part, le diocèse de Valleyfield, les Amis de l'Évêque, et la Fondation de la Faune du Québec. Merci, c'est parce que ça m'enseigne. Merci. Vous préparez un budget? Oui. Bientôt. Je suis contre le prêt à des associations. Il y en a même qui avaient prévu un budget de louer, parce que c'est des camions aussi. Fait que si on brise, mettons, sur un camion pour une raison ou un autre, qui est un accident, quelque chose, il faut attendre tant de temps parce qu'on y a des,
Il y a tout le temps des comment je pourrais dire ça? On met un camionnetier, on met de quoi qui est pour la ville, tout ça. Le salaire de quoi, ça va prendre du temps avant d'en avoir un autre. Ça coûte pas plus cher, louer, que de, je veux dire, prêter un camion. Ça, c'est mon idée personnelle. Mais on prend votre suggestion, puis on va la regarder. Monsieur. Et puis, il y a une autre chose, parce qu'on ne peut pas vérifier qui conduit ça. Ça ne veut pas dire qu'on a des licences, cette chose-là. On n'a peut-être même pas le droit d'embarquer sur un camion. Tu sais, je veux dire, ça dépend de la on va surveiller tout ça, puis on prend en note votre suggestion et on va l'évaluer. Et en même temps, il y a une autre chose que ce qui me touche à main. Pour les permis, vous avez deux inspecteurs là, vous en engagez un surnuméraire, il y en a un qui est malade de temps en temps. Il vient d'avoir trois à temps plein. Parce que moi, j'ai envoyé une liste déjà de 150 F qui était illégale. Il n'y a rien qui a bougé. Il y a des murs sur notre propriété, c'est pas grave. Tout le monde est sur notre propriété. Il y en a qui n'ont même pas de gazon, rien, ils ne coupent même pas leur terrain. Les inspecteurs, ils ne peuvent même pas fournir. Ils l'ont engagé aussi 6 mois, puis l'autre, ils s'en vont après. Fait que là, on ne peut pas avoir quelqu'un de compétent. Ça prend du monde de compétent qui est à cela. Ça fait partie des recommandations du service des permis au budget. Donc, on va l'évaluer. OK. Qui va nettoyer la rue de Longueuil de Monaco, la neige d'hiver? La ville. Bien, la rue ne nous appartient pas encore, puis elle est en gravelle. Ben, parce que le protocole, c'est ce poil de monsieur, ce poil de pavé, tout. On va regarder, mais ça fait c'est une rue publique, donc la ville va nettoyer. Oui, mais là, elle ne nous appartient pas encore. Parce que c'est en construction, de façon brise de poids. Là, il a mis de l'asphalte, le long des manœuvres. Là, ils sont plus hauts que le macadam qui est là. Si il y a un dégel, quelque chose, son nombre de dents, c'est qui va payer pour ça? Parce que la rue ne nous appartient pas encore. On va prendre en note, puis on va regarder tout ça. Mais c'est la rue... Ben, elle ne nous appartient pas, parce que les autres, on ne l'a jamais fait dans le passé. Monsieur Daou, vous qui êtes là depuis très longtemps à la ville, vous savez qu'on déblaye des rues... Mais pas ces rues. On déblaye des rues qui ne nous appartiennent pas encore. Et des rues qui datent de 1900. Là, c'est les nouveaux protocoles, là. Oui, c'est les nouveaux protocoles. Mais on va la surveiller, M. Daou. OK. Vous souvenez-vous, dans le passé, j'ai parlé de la rue Pierre-Boursier. Oui. Bon, la rue Pierre-Boursier, on a fait de la belle asphalte, pas de problème avec ça. On a été arrêté de mettre un autre truc parce que le monsieur Rossé avait un permis de la SAC. Mais là, il n'a plus le permis. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, lui, il faisait l'inspection des camions. Oui. Là, il a perdu sa licence pour ça. Fait qu'on peut toujours revenir, c'est notre propriété. On peut toujours revenir comme il faut, là. Ben oui, j'imagine. Fait que quelqu'un peut s'informer de ça, oui. Pour ça. C'est bon. Et puis, Anna 30, avez-vous des nouvelles? Qui va déparer la bretelle à partir de voie industrielle jusqu'à Sainte-Marguerite? Parce que là, il y a 30 000 voyages qui étaient d'attente qui a passé par là. Pourquoi que nous autres, on n'a pas 50 cents de Ville-Merci, chaque voyage de gravette Ville-Merci, il y en a trois pour ça. Ça fait là, on n'a rien, nous autres, pour ça. Ça fait partie des négociations qui ont cours présentement pour les compensations, justement, avec les carrières, les sablières, les gravières. Effectivement, il y a des nouvelles ententes qui sont proposées par Québec à ce niveau-là. On va les regarder. Sinon, c'est sûr que les bretelles d'accès qui appartiennent au ministère des Transports et en ce qui a trait à l'autoroute 30, l'entretien est confié à NA 30. Donc, ça sera à eux de réparer. Oui, mais là, il n'y a pas rien de prévu là. Parce que pourquoi c'est nous autres qui est obligé d'entretenir la sorte de bretelle-là tout le temps? C'est notre asphalte qu'on pose là tout le temps, tout l'été. C'est nous autres qui répare ça. Là, c'est la rue est tout dépolissée, que je m'excuse, la bretelle est tout défaite. Ce n'est pas nous autres à payer pour ça, parce que c'est tout l'ouvrage de NA 30. Mais s'il n'y a personne de nommer pour ça, parce qu'autrefois, c'est un M. Desjardins qui s'occupait de ça. Mais là, on va regarder ça avec M. Carrier pour l'instant. On va en tout cas, c'est parce que j'aimerais bien ça, parce qu'on n'a pas d'affaires à payer sous nos taxes pour cette chose-là, pour enrichir d'autres personnes. On aura quelqu'un qui va suivre les dossiers. OK. La piste cyclable, c'est la rue principale. On avait dit, pourquoi il y a un nouveau projet qui est là? Pourquoi ils n'ont pas coupé la bordure, faire les montées et la future rue? Là, ils sont rendus avec une deuxième entrée pour mettre du béton, là, puis passe sur notre piste cyclable, qui n'est pas supposé passer par ça sur notre piste cyclable et des camions, pour faire le béton de ces formes-là, tout. Puis qui rentrent par leur entrée, c'est tout. Là, on a encore 3 pieds de gravelle dans la rue, tout. Ça y est, il y en a quelque chose, ça veut dire que notre piste cyclable va se remplir encore au complet. C'est juste pour. Parce que c'est pas normal qu'on a juste le même. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui surveille ça. Parce que, mettons qu'il arrive de quoi, une roche, on voit le camion de démixeur, la roche, on va dans la rue, il y a une auto ou un enfant qui se fait popper pour la roche qui a bondi. On ne sait même pas se pourrir de tolérer ça, en aucun temps. Ça, c'est mon observation personnelle. Le 10 au moins loisette, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le monsieur, là, que ça fait... Il est... Oui,
Oui. Faire des tics, là, un moment donné, si mais, monsieur, le vieux Châtelier va passer au feu, puis ça continue. Monsieur Daou, le C3S est dans le dossier. Je vous ai expliqué que le C3S est dans le dossier et qu'on le suit de très près. Il continue à ramasser, mais il n'est pas tout seul à avoir des problèmes de ce tacabit-là dans la municipalité de Châteauguay. On doit accompagner ces gens-là et on doit les accompagner avec les services. Il n'y a rien qui bouge, parce que je n'aimerais pas qu'il arrive un feu, quelque chose. Si ça sert à mon voisin, je dis que je suis malheureux et j'accède à quelqu'un à quelque part. Parce que je ne pourrais pas dire ça. Tout le monde me pose la question, mais personne ne veut bouger. C'est dangereux. Ça peut être dangereux autant qu'on veut, puis on peut avoir beaucoup de pitié pour le monsieur en question, mais il y a des limites jusqu'où on peut aller et où on peut intervenir. Jusqu'à présent, cet individu-là, il est chez lui et il est capable, mis à part son syndrome, de prendre soin de lui. Hein? Alors, nous intervenons avec les services compétents en la matière. Et la ville de Châteauguay, elle ne peut pas intervenir comme ça chez les gens. Mais avec le nouveau règlement, d'abord, il y a un camion qui est là, ça doit faire 15 ans qu'il est là, qui n'est même pas supposé d'être là. Son auto est même plus plaqué, tout ça. Ça veut dire qu'il faudrait... Il faut agir, mais comme je vous dis, M. Daou... Le conteneur, à toi et moi, je sais, je me suis informé. Mais comme je vous dis, on le suit, le C3S le suit. Mais ça ne règle pas le problème. Ça finit par régler les problèmes. Il faut juste être patient. Ben, ça fait 3 ans que je suis patient pour ça. Fait que, bon, on va attendre une prochaine assemblée. Merci beaucoup. Merci, M. Daou. En premier lieu, je veux féliciter la mairesse. Merci. Juste décliner votre identité, M. Girard. Pardon? Juste décliner votre identité. Ah, M. Jean Girard, district numéro 1 de l'ANU. Je suis ici à cause que, si vous avez déjà des informations, je vous ai laissé à l'Assemblée mardi après la fête du travail. J'avais laissé ce document-là. Et je sais que, étant donné que les élections approchaient, on n'avait pas plus encore travailler là-dessus, mais je demande quand même qu'on traite ça d'une façon assez prioritaire pour que ça soit en loi pour la belle saison 2014. On va faire tout notre possible pour que ça soit effectif. C'est toujours avec l'option de l'air plus pur à Châteauguay. Et il y a une autre phase à ça, j'ai ça que j'ai ramassé quand je suis allé à la caserne de pompiers. C'est un programme qui malheureusement est déjà terminé. Ça concerne les foyers, les combustions lentes. Et, c'est pour améliorer, la combustion, pour que la fumée qui se dégage de la cheminée soit moins nocif. Et c'est un programme que j'aimerais voir, reprendre vie, puis que les citoyens soient mis plus au courant de ça. On a adhéré à changer d'air. Si le programme, on va le suivre. Je pense qu'il est fini pour sa caserne. Ils m'ont dit, quand j'ai retourné pour des nouveaux pamphlets, ils m'ont dit non, c'est fini ça. Ben, en fait, on va le suivre. On va le suivre parce qu'il est reporté. Alors, quand il sera reporté, on va se réinscrire. Okay. Parce qu'actuellement, j'ai un problème un petit peu particulier. Il y en a qui vont me dire, c'est à cause que c'est une basse pression. La boucane ne monte pas. Bon, j'ai des voisins. En tout cas, moi, je suis du côté nord de la rue. Les autres habitent évidemment du côté sud. C'est les adresses paires. Ils ont toutes des combustions. Je ne sais pas lequel qui chauffe mal ou lequel qui chauffe bien, mais en moyenne, souvent chez nous, disons, moi je sors dehors, je ne peux pas ouvrir mes chaussées parce que ça sent la boucane. Mm-hmm. C'est comme ça un peu partout. Puis je vous dirais que ça va faire partie aussi des critères des indicateurs de performance des municipalités membres de la communauté métropolitaine, la qualité de l'air. Donc, effectivement, il faut le surveiller. Puis moi, est-ce que je peux avoir un détecteur de fumée? Peut-être que je peux prendre des lectures de quand que... Moi, je trouve que c'est étouffant. C'est sûr, si je garde mes fenêtres fermées, ça ne rentre pas. Si j'ouvre ma porte 5 minutes, oui, ça rentre chez nous, là. Mais vous ne pouvez pas vous substituer à inspecteurs ou à... Bien, justement, j'ai parlé à l'inspecteur, je suis allé à la caserne de pompiers, j'ai parlé avec l'inspecteur en incendie, M. Marchand, il m'a dit la façon de procéder, c'est les jours où est-ce que je trouve que c'est nocif, que, l'air, la fumée est là, même si elle est invisible, prendre une photo de la cheminée en question, d'où je crois ça vient, et ensuite, après plusieurs fois, noter l'heure, il y a aussi... Et éventuellement, peut-être essayer de rencontrer le propriétaire de
cette habitation-là. Et si je n'ai pas fait ça, si je n'obtiens pas le gain de cause, lui envoyer une mise en demeure, et etc., il prend d'autres procédures. Mais je trouve que c'est un chemin très long et nuisible parce que ça cause pas, ça va causer beaucoup de désaccords dans du mauvais sens dans le quartier, puis tout le monde va se mettre à saillir pour rien. Là. Mais comme je vous ai déjà expliqué, on va se réunir, on va faire une refonte de certains de nos règlements qui datent, donc on va les remettre à jour. Ça fait partie des règlements qu'on veut regarder, notamment pour la qualité de l'air. Il y a des programmes qui existent, vous en avez montré un, on le suit, on a adhéré à changer d'air, donc on va suivre tout ce qui se fait en ce sens-là et ça fait partie des préoccupations au niveau de la communauté métropolitaine de Montréal qui est pris avec un problème de smog et on n'est pas à l'abri. Hein. Quand ça arrive, on le voit là, qui descend le long du fleuve. On est juste à côté, donc on en souffre également. Alors, ça fait partie de toutes les considérations dont on doit tenir compte. Et je vous inviterai d'ailleurs à participer aux discussions et aux comités. Ça me fait plaisir d'y être. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Au revoir. Il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole aux gens des médias. Michel Thibault, Journal Le Soleil. Concernant le point B1A, la convention entre la ville de Châteauguay et Patricine, c'est 43 000 par année que la ville obtient de Patricine. Oui. C'est pas 50 000, c'est peut-être qu'on nous avait parlé d'un petit arrondi à l'époque, ça fait plusieurs années. Puis il y a moins d'abribus aussi, par contre. Oui, il y en a combien, savez-vous, il y en a combien? Ils ont diminué. Bon, voilà, on faisait l'inventaire. Non, je ne sais pas exactement comment les abribus il y en a. Maintenant, il y en a maintenant qui appartiennent à la municipalité et pour lesquels on a les revenus directement dans nos... 15 abribus. 15. Puis il y avait aussi des colonnes. Les colonnes Maurice, oui. Il y en a combien? Deux, trois. Il y en a une sur le bord du IGA, là, près du IGA, dans le terrain de la ville qui est là. Il y en a trois. Puis la ville peut aussi faire de l'affichage. La ville peut afficher et la ville a même des contrats sur d'autres, si l'envie nous prenait, d'afficher ailleurs que dans la municipalité, sur d'autres panneaux qui appartiennent à Pattison. On pourrait. Okay. Et j'ai raté l'endroit où se situait. Est-ce que c'est le boulevard Primo, l'abribus qui pose un petit peu problème, c'est Tremblay, où c'est qu'il y avait l'ancien Kentucky. Là. Ah, OK. Coin de Tremblay, dangereux. Et lui, à la visibilité. En fait, quand on met l'affiche sur le côté et qu'on veut, on est sur Tremblay et qu'on veut aller sur le boulevard d'Anjou, même pour tourner à droite, on ne voit pas ce qui se passe au feu de circulation. Donc, il faut s'avancer le nez un petit peu trop pour être à l'aise pour voir ce qui se passe. OK, ça va être calme. Ben oui, en fait, on l'espère. Puis, à l'époque, là, ça remonte à longtemps, l'argent était dédié, là, les revenus de c'était dédié à l'organisation de fêtes, à financer des fêtes. Est-ce que c'est toujours le cas ou ça rentre dans le budget? Ça rentre dans le budget global et qui sert à financer des fêtes aussi. Concernant le point B1C, l'engagement auprès d'Hydro-Québec, l'emplissement des fils qui servent de perchoir aux pigeons, c'est ça, c'est ces fils-là? Oui. Et est-ce que c'est subventionné, ça aussi? Ça, c'est juste un engagement de notre part de payer les frais d'ingénierie si jamais on décidait de ne pas enfouir, de pas, en fait, c'est même pas enfouir les fils, là, c'est les accrocher après le pont. Donc, lors de la reconstruction du pont, si on décidait que finalement, on ne suivait pas cette avenue-là, Hydro-Québec nous demande de dédommager les frais encourus en ingénierie, en design, le design qui aurait été fait pour accrocher ces fils-là au pont. OK, l'idée actuellement, c'est juste de les accrocher au pont. Oui, avec les autres services qui vont passer par là, les services d'utilité publique. Mais la ville s'engage à payer les frais d'ingénierie, le coefficient? Si on dit non. Si vous dites non. Si on dit, en fait, c'est pour éviter qu'ils travaillent pour qu'on leur fasse faire. C'est des protocoles si qui arrivent. Au bout de ligne, finit par dire non, elle n'avait pas payé les frais d'ingénierie. Juste de design. Design. Okay. Mais sinon, c'est subventionné. Ça fait partie des subventions. Donc, il n'y aurait comme pas de raison que la ville soit obligée de faire atteindre une partie. Ben, c'est ça. OK. Du projet global. Oui. OK. Et
concernant c'est le point I, la fin d'emploi administratif d'un policier. Policier. En fait, c'est un policier temporaire qui n'a pas obtenu la recommandation pour passer permanent. OK. Et celui qui a été suspendu, est-ce qu'il y a une raison? L'insubordination. Et rappelez-moi, la suspension, c'est combien de temps? Une journée. Une semaine, une journée. C'est une première. Dans la gradation des sanctions, c'est, j'imagine qu'il y a eu des lettres, des avis, puis on arrive à... Oui. Puis c'est la première suspension que cet employé écope. J'imagine, oui. Là, on a un numéro de matricule, il faudrait que je me rappelle, là. Mais non. Parce que la mesure serait beaucoup plus importante si c'était... C'est la subordination, exactement. C'est se montrer peu poli avec un supérieur. Peu poli, d'accord. Merci beaucoup. Mais alors voilà, c'est tout pour les questions. On va maintenant passer la parole aux membres du conseil. Monsieur Doyle. Merci, thank you. Merci. Monsieur Boutenay, Monsieur Pinard. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier tous les électeurs du district numéro 3 de Robitaille qui m'ont fait confiance pour les prochaines 4 années. Et puis, je veux les rassurer que je vais faire mon gros possible pour rencontrer ce mandat-là. Madame Laberge. Merci de me permettre de vivre cette belle expérience. J'ai fait une fin de semaine assez lourde. Je pourrais dire qu'il y a beaucoup d'ouvrage à travailler ici pour le budget, mais ça fut très agréable. Merci beaucoup. Monsieur Deschamps. Madame Laberge, je vous félicite pour votre réélection. Je vous remercie de votre confiance pour m'avoir désigné, de m'avoir suggéré pour être le futur promaire les 4 prochains mois. Alors, c'est un honneur pour moi. Je souhaite la bienvenue au nouveau conseiller. Je vous félicite en passant. Et par la même occasion, j'aimerais, via la télé, peut-être qu'il écoute ce soir, je voudrais remercier M. Guillaume Dumas qui nous a accompagnés durant 4 ans. Et en même temps, toujours via la télé, peut-être dans la salle, il y a des gens du quartier 5. Alors, j'aimerais les remercier. Pour ne pas m'avoir soumis à l'électorat. Alors, ce fut une très grande gratification, une grande fierté. J'étais très heureux et je vais continuer à faire, je vais essayer de faire un excellent travail pour bien les représenter. Alors, merci. Monsieur Gendron. Félicitations au conseil au complet. Moi aussi, j'aimerais ça remercier les citoyens de mon quartier d'avoir quand même beaucoup. Donner l'honneur pour continuer pour un autre 4 ans. En même temps, je veux lever mon chapeau à Mme Simard, qui est en arrière de M. Thibault, pour son beau travail qu'elle a fait à la campagne électorale, à travers très fort, puis elle a marché, elle est prête pour un marathon. Mon but, c'est de... L'autre jour, on n'a pas fini en harmonie, comme Marcel aurait voulu, peut-être. Moi, mon but, c'est de commencer en harmonie. J'ai lancé l'invitation le premier lundi pour qu'on se rencontre. J'espère qu'on va se rencontrer, ça fait quand même 2 semaines. Puis le but, c'est de vraiment être capable de travailler ensemble. Je trouve que on a une belle gang. Puis je pense qu'il y a une possibilité qu'on soit capable de travailler ensemble. Puis c'est ça mon but. I'd like to thank the citizens for giving me the honor to represent them for another 4 years. And I'll do everything I can to be their voice. Je vais tout faire pour être votre voix. Merci. Merci. Madame Reed. Bien, félicitations, Madame Simon, pour votre réélection. Mais je voulais aussi, M. Pinard m'a enlevé les mots de la bouche, je voulais aussi remercier tous les citoyens du district numéro 7 pour m'avoir fait confiance et m'avoir donné ce beau mandat. Alors, je vais l'exécuter avec honnêteté, intégrité et franchise et transparence. Alors, j'espère faire un beau 4 ans. Et je dirais déjà aux gens que depuis que je suis élue, avec l'expérience que j'ai vécue, je vous dirais que j'aime beaucoup le travail de conseiller municipal et j'espère bien vous servir. Merci. Ce côté. Profiter pour féliciter tout le monde. Puis
je vais travailler fort pour mon quartier, puis je vais être à l'écoute de mes citoyens. Merci, bonne soirée. Eh bien, je vais en profiter moi aussi pour vous féliciter tous et chacun d'entre vous, féliciter tous ceux et celles qui ont fait campagne, qui ont permis justement à ce que la démocratie s'exprime à Châteauguay. Remercier également les collègues qui ont donné 4 ans et qui ne sont plus ici pour poursuivre la route avec nous, à savoir Guillaume Dumas, Esther Salomon, Ginette Gendron. Et vous inviter à participer nombreux à toutes les activités démocratiques qui seront organisées dans le cadre des 4 prochaines années. Et bien évidemment, on le dit à toutes les séances du Conseil, on le répète, nous sommes là pour travailler de concert, de travailler à faire en sorte que les décisions qui seront prises le soient pour l'ensemble de la communauté et dans le meilleur intérêt de l'ensemble de nos citoyens. Alors, je nous souhaite un bon 4 ans fructueux, productif, et faire en sorte que Châteauguay ait les services, la compétence et les élus à la hauteur de ce que les citoyens méritent. Merci. Là-dessus, quelqu'un pour... Monsieur Deschamps, secondé par Monsieur Gendron. Est-ce que c'est adopté? C'est adopté. La séance est levée. You and I are men of a few words. Did you notice?